J'avais 30 ans en 1963, quand le FLQ, le Front de libération du Québec, s'est lancé dans la lutte armée au moyen du terrorisme. Je n'ai jamais aimé la violence, mais comme de nombreux intellectuels canadiens-français à l'époque, j'étais sympathique aux objectifs du FLQ, malgré les bombes, malgré la peur. Aujourd'hui pourtant, le terrorisme m'indigne. Serait-ce parce qu'il y a du bon et du mauvais terrorisme, celui qui fait notre affaire et tous les autres? Il y a une des victimes qui est étendue, qui jonce le sol parmi les éclats de verre. Justement, on voit une des boutiques dont les vitrines sont fracassées. Et puis d'autres personnes qui s'apprêtent à quitter les lieux en toute hâte, à l'arrière-plan. Si on suit dans la page 2, dans la page 3, vous avez justement une autre victime qui est allongée sur une civière pendant qu'un des constables ici... Soigne, porte secours à une autre victime, quoi. Ici, vous avez une des premières victimes qui est sortie à toute heure, justement, du tunnel. Une dame qui avait le visage ensanglanté. Messieurs, vous êtes tous les deux en train de vous promener sur les Champs-Élysées et tout à coup, il y a une explosion. Ah oui, le réflexe, là, c'est tout de suite, dès que Denis, là, en même temps, on s'est regardé la réaction, on a dit « c'est une bombe », on est parti. On est parti à courir, Denis, avec ses caméras. Vers la bombe. Ah, vers le tunnel. Vers le lieu de l'attentat, là. On voyait la fumée sortir, puis ça. Puis dès qu'on est arrivé là, Denis avec sa caméra, puis ça, là, dès qu'on est arrivé, il y a une femme qui sort, elle avait encore un petit peu de poussière de plâtre, tu sais, dans les cheveux. Puis là, nous autres, on sait pas. Moi, en tout cas, ma réaction, je suis pas un photographe de presse. Je suis journaliste, d'habitude, je regarde, hein. Je fais juste regarder. Mais là, j'avais une caméra, moi aussi, comme tous les touristes. Fait que là, ma première réaction, c'est que je prends-tu la photo, ben non, c'est que je porte secours à la madame, tu sais. Et puis? Fait que là, ben j'ai pris la photo et j'ai porté secours à madame. Ouais. Ben, ça vous fait pas honte aujourd'hui? Ben tout le long, là, c'était l'impression que j'avais, là, durant les... C'était ça qui était dans ma tête, c'était tout le temps ça qui était ma phobie, là. Parce qu'une fois que là, je me penche pour que la madame tombe sur mon bras, tu sais, qu'elle me prenne par le bras, parce que là, j'avais un sac, une caméra. Et puis là, il y a deux autres personnes, ou trois, je ne sais pas, qui arrivent par en arrière et puis ils traînent la madame à l'écart. Fait que là, moi, je me retrouve encore photographe. Il y avait une victime même qui avait une jambe arrachée. Et puis c'était horrible, la scène était horrible. Puis en tout cas, je me suis mis à mitrailler de tous côtés. C'était un moment de panique, tu sais. Puis normalement, nous autres, on est habitués d'arriver toujours après. Vois-tu? Puis là, c'est probablement ça. Là, vraiment, là, j'ai vraiment... senti ce que les gens peuvent ressentir, finalement, les victimes, des gens qui sont directement impliqués là-dedans. Parce que d'habitude, t'arrives toujours un petit peu en retard, puis on peut pas les comprendre, ces gens-là. Puis aujourd'hui, je pense que je les comprends maintenant. La peur, la panique, l'horreur, on la voyait dans leurs yeux, dans leurs gestes, des gens là, qui étaient affolés. Puis nous autres aussi, d'ailleurs. Mais nous autres, on dirait que on le contrôlait, ça. Si vous aviez pas été là tous les deux, ça aurait été un attentat comme les autres. Tout à coup, ça devient un attentat énorme. Oui, je comprends ça. Ça met de l'ampleur, évidemment. C'est de leur fournir gratuitement de la publicité, si je comprends bien ce que vous voulez dire. Mais non, je pense que c'est plutôt, montrer les faits tels qu'ils sont, malheureusement, puis essayer de demander au gouvernement de prévenir, je ne sais pas de quelle façon. Je sais que c'est pas une solution facile à... Mais d'un autre côté, ça peut avoir un effet aussi, parce que l'horreur de ces événements-là, quand on le montre tel quel dans les journaux, dans les médias, je pense que c'est la pression des gens auprès des gouvernements qui peut finalement décider, les gouvernements, à prendre les moyens pour réprimer le terrorisme. Finalement. Savez-vous quel groupe avait fait cet attentat? C'est un groupe iranien, là, je me rappelle ça, bien, là, mais... Et vous savez pas pourquoi? C'est... Puis
J'ai pas l'air sûr. Non, non, c'est pas que je m'en allais dire. C'est parce que le terrorisme, pour nous autres, c'est tellement loin encore quand même du Québec qu'on s'intéresse... Je m'intéresse maintenant à ça, mais c'est tellement complexe et compliqué. Il y a tellement d'unité, là, de factions là-dedans que je pense que le commun des mortels en perd son latin là-dedans. Comprendre le terrorisme, il faut peut-être qu'il nous touche de près, qu'il se passe sur notre territoire. Le langage de la violence est aussi inattendu que facile à tenir. Un homme seul, le caporal Denis Lortie, a, le 8 mai 1984, terrorisé le Parlement du Québec pendant plusieurs heures. Il était bien armé, il avait préparé son coup, visité les lieux la veille, choisi son scénario. Du côté des victimes, il n'y a pas de bon ou de mauvais terrorisme. Il n'y a que la peur. À 9h45 ce matin-là, quand Lortie se mit à tirer, personne ne savait ce qu'il visait. En arrivant, j'ai vu une auto arriver assez... une auto beige arriver vitement en face de la porte Grande Allée. Et il s'est stationné un peu croche, puis il sort rapidement de sa voiture, il est habillé tout en gars d'armée avec son chapeau et tout le tralala d'armée. Et il y avait les balles comme ça ici sur le côté, et avec une grosse mitraillette dans les mains. Alors j'ai dit à ma compagne, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Il rentre dans le Parlement armé comme ça. Tout de suite, j'ai regardé sa licence, une licence de l'Ontario, et j'ai monté deux marches. J'aurais pu m'ouvrir la porte, je le suis. Alors, en rentrant, il a tiré des coups de feu sur la téléphoniste. Lortie, en mitraillant, s'est rendu rapidement au Salon Bleu, où 10 minutes plus tard devaient se réunir députés et ministres. Terrorisme contre terrorisme. C'est à qui occuperait le territoire des médias. Dans le champ de bataille de ce cinéma politique, la police n'a pas d'autre recours pour faire peur à son tour que d'appeler les journalistes à son aide. Ravis se prêtent au jeu, trop heureux de photographier le nouveau visage des chevaliers de la démocratie. Et qu'est-ce que vous pensez de la préparation que la police fait maintenant? On a vu il y a quelques semaines là, que la gendarmerie royale se lançait dans de nouveaux groupes antiterroristes. Comme... Ça prouve qu'ils sont eu 20 ans ou 30 ans en retard. Ils auront dû faire ça bien avant. Mais quand il y a eu l'enlèvement des pieds à la porte, pourquoi ils n'ont pas fait ça? Maintenant, ils vont parler, ils payent peur du terrorisme. Il y a eu, à part les FLQ, il y a eu quoi? Les Arméniens? Ben, les attaques contre... Ça, c'est des coups de terrorisme classiques, les attaques contre des ambassades, etc. Vous n'avez pas une très haute opinion de la police? Ben, ils n'ont pas réussi. Ben, la police, ben... Ils n'ont pas réussi fait de vraiment, disons... À l'époque, là, je me souviens bien, on se méfiait pas de la Sûreté du Québec, la police de Montréal. Mais la GRC, quand même, on se méfiait beaucoup des autres parce qu'il y avait là des professionnels, des gens qui ont une expérience dans le contre-espionnage durant la Deuxième Guerre mondiale.
On se méfiait des gens qui étaient dans le bureau, qui faisaient des analyses et puis qui faisaient du travail policier méthodiquement. Ces gens, on se méfiait. Et puis, c'est pas ça qui s'est arrivé. Pourtant, ils ont commencé à filmer, le monde depuis 61, 62, 60, 60. Première manifestation, ils ont commencé à filmer le monde. Il y avait des centaines de milliers, ils ont ouvert des dossiers sur une centaine de milliers de personnes, si pas davantage. Comme dans mon cas, par exemple, depuis 2 ans à peu près, j'étais très présent dans les manifestations indépendantistes, les manifestations d'appui aux grévistes, les manifestations contre la guerre du Vietnam. Alors, j'étais déjà fiché, sûrement, par la police. Mais ils ne réussissaient pas de traduire le renseignement, parce que c'est bon d'avoir le renseignement, il faut s'en servir. Hein? C'est bien moi que je renseigne sur l'ennemi, mais je ne sais pas m'en servir. Et moi, je pense qu'ils n'ont pas réussi de s'en servir, à part en 71, qui ont fait des coups de cons, comme brûler la grange. Non, mais je pense que des beaux affaires, hein. ils n'ont pas réussi à faire. Pourquoi? Parce qu'il est fait le cul, eux, dans leur tête, c'était... Moi, j'étais dans l'armée. Bon. Les militaires, les policiers, c'est comme les militaires. Alors moi, je comprends leur mentalité, comment eux, ils fonctionnent. Eux, ils cherchent tout de suite organisation hiérarchique, disons, ça c'est un chef, ça c'est un sous-chef, ça c'est un groupe, ça c'est une section, etc. Tout est sur papier. Mais l'FLQ, c'était pas ça. L'FLQ, c'était la spontanéité. Vlam, ça commence et ça passe à l'action. La spontanéité. Je me souviens que ces années-là, on évitait les boîtes postales, symboles du régime fédéral, dans lesquelles une bombe pouvait toujours exploser. La dernière fois que je suis allé à Paris, je contournais les sacs oubliés, les paquets traînant dans le métro. Si l'on m'avait envoyé à Beyrouth, j'aurais craint les voitures piégées le long des trottoirs. La terreur apparaît quand des objets familiers deviennent des armes d'autant plus efficaces qu'ils ont l'air innocents. Dans l'escouade tactique, il faut être en forme. Oui, c'est primordial d'être en forme. Il faut absolument être en forme, physiquement, pour être capable de combattre le stress, la fatigue, et pour être en position de penser sainement. Parce que si le physique ne fonctionne pas, c'est assez rare que le mental va fonctionner. Même si la section technique, les groupes tactiques, c'est très physique. Il faut tout de même qu'il y ait une ligne de pensée qui suive ça. Une ligne de pensée cohérente, suivie, contrôlée. L'entraînement physique nous permet d'arriver à cette chose. Et on pense par exemple à Montréal, il y a eu une explosion à la gare centrale où une bombe placée pour tuer le pape a en fait tué des touristes français. On voit un bonhomme qui est présenté comme un peu... Fou, ma boule. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre ce qui se passe, nous, en tant que public, en tant que... En tant que public, comprendre ce qui se passe. Je pense que c'est assez facile de faire la différence entre un attentat du genre de Brigham, quand on voit le bonhomme, puis on se déplacera au niveau des attentats terroristes partout dans le monde, en Irlande, où il y a eu le plus d'attentats terroristes. Le but n'est pas le même. Les attentats terroristes en Irlande, leur but est de saper le moral des forces, des troupes. C'est une guerre. Le terrorisme, c'est une guerre. C'est une guerre qui est sur un terrain inconnu. On n'a pas délimité les lieux où se battre. On se bat partout, mais c'est une guerre, c'est un état de guerre. Alors qu'un événement comme celui de la gare centrale, c'est un événement isolé par une personne qui est troublée. Dans le fond, ce qui change, ce sont les objectifs visés. Exactement. Les objectifs et la façon de penser. Façon de penser, c'est une religion presque pour le terrorisme dans le moment. De détruire des gens, de créer la terreur partout. Alors que le criminel de droit commun, c'est très différent. Il va éliminer une vie parce que
Elle lui nuit dans son commerce, si on peut appeler ça. Mais il ne s'attaquera pas à la population générale. Même au contraire, ils vont tenter de se faire oublier. Alors que le terroriste, c'est con. Au contraire, c'est de se faire remarquer, de se faire valoir par des attentats de ce genre-là. Mais le terroriste parle beaucoup plus volontiers aux médias que les policiers. C'est vrai, c'est vrai. Parce que le terroriste, comme je vous disais, il est toujours en pro-action. Lui, il faut qu'il s'affiche. Ils font des actes terroristes justement pour que les yeux soient tournés vers eux. Si c'était mon cas, c'est certain, si je cherchais de la publicité, c'est certain que j'irais vous parler, je courrais peut-être après vous. Alors que moi, c'est le contraire. C'est dans l'anonymat que je suis le plus fort. Donc, je serais fou d'aller travailler contre moi. Bien, merci d'avoir brisé votre anonymat. Ça fait plaisir. Les édifices du Parlement ont été évacués. La police de la ville de Québec a fait appel à la police militaire et à l'escouade tactique de la Sûreté. Laissez-vous tout le monde, ça! Pourquoi croyez-vous qu'aujourd'hui, quand on évoque le terrorisme, on ne parle jamais du FLQ? Parce qu'on a peur. Parce qu'on a peur de ressusciter des vieilles fantômes. Moi, c'est ça. Écoutez, l'FLQ, encore aujourd'hui, ça touche... Moi, je réagis. Ça gêne. Ça gêne. Tu vois, pourtant, ça fait 15 ans que c'est calme, c'est tranquille. Puis ça, il y a quoi que ça touche? Vous croyez, Sylvie, que ça gêne encore? Ah oui. Ah oui, sûrement. Moi, je ne suis pas dérangée. Au contraire, moi, je suis la fille de François Schiff, donc je suis innocente de tout péché. Mais je vois que le fait de dire « mon père est François Schiff », les gens ont peur. Ça leur touche une corde sensible. Je pense que c'est dans le sens que les Québécois ont vu qu'il y avait des gens qui étaient prêts à agir. Et je pense que mon père, c'est un peu un cas spécial parce qu'il n'était pas un Québécois. Est-ce que le passé de votre père a pesé un peu sur votre façon de voir le monde? Oui, puis non. Je dois dire, quand j'ai rencontré mon père, bon, j'avais 24 ans, donc je n'étais pas une adolescente de 12-13 ans qui peut se faire influencer par un père pour parce une image que vous aviez été séparés pendant 20 ans. Voilà, je le connaissais pas. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'était bon, quand j'ai su qu'il avait fait 14 ans de prison, je me suis posé la question, il doit avoir une bonne raison, il doit avoir un pourquoi, surtout que c'était une lutte politique. Il m'avait envoyé son livre et puis j'avais pu comprendre, au moins d'un début, la raison pour laquelle il menait cette lutte. Moi, j'ai vécu en Amérique latine, en Argentine, plusieurs années. Vous, c'est l'histoire de l'Amérique latine? Un peu, oui. François, c'est l'histoire de l'Europe? Et vous débarquez au Québec qui cherche à oublier son histoire et ça devient compliqué. Ils n'oublieront pas leur histoire, je vous assure. Ils n'oublieront pas. Le Parlement du Québec est situé près des murs de la vieille citadelle, où pour se faire arrêter ou par dérision, Lortie a d'abord attaqué les casernes militaires. Disons que sur le coup, c'est assez impressionnant parce qu'on s'attendait... premièrement, on s'attend jamais à ça. Puis quand on réalise que c'est notre vie qui a passé poche d'être étendue à terre au plancher, disons que là, c'est un peu énervant, ces côtés. Je pense que c'est des balles à blanc. Mais si tu n'as avec, ben voyons, c'est des balles à blanc, puis ils tirent dans la direction. L'autre dit, non, garde le gazon élevé. Je dis, non, c'est pas des balles à blanc. Là, quand on va reculer, bon, on a vu que c'est des vraies balles. Monsieur, je vous remercie beaucoup. Votre nom, c'est? C'est Soldat Vinette. Soldat, votre prénom? André. André Vinette et Marcel... Martin Zadamou. Martin Zadamou. Est-ce qu'il y avait beaucoup de militaires dans les premiers... FLQ? Oui, il y en avait. Parce que c'est dans l'armée canadienne que les Canadiens français sont le plus exploités, le plus écrasés. Il y a le phénomène de l'ortie encore. Ça saute aux yeux. Je pense que c'est une continuation. C'est vraiment, ils sont exploités, ils sont écrasés, anéantis. C'est pas possible. Maintenant, qu'est-ce qu'ils racontent, qu'ils sont bilingues, moi, je pense pas, c'est pas vrai. Les Québécois francophones, ils arrachent dans l'armée. Comme tous les terroristes,
Lortie avait un message. Il est arrivé vers 9h30, semble-t-il. Il a demandé à voir quelqu'un de l'équipe d'André Arthur. J'étais déléguée d'office. Et quand je suis arrivée ici, il était assis juste là. Alors là, il m'a demandé de sortir à l'extérieur sur le trottoir. Il m'a dit, toi, tu peux m'appeler Monsieur D. OK, ça va. Alors là, il m'a tendu une enveloppe dans laquelle il y avait une cassette. On pouvait voir à la palper. Et il m'a dit ne pas ouvrir ni écouter cette cassette avant 10h30. Là, j'étais d'accord, mais est-ce que tu pourrais me dire à quel sujet, de quoi on parle? Il a dit non, vous verrez plus tard. Et là, il est parti, il s'est dirigé vers sa voiture, il est monté dans sa voiture et il l'a quitté. Il n'y avait pas un comportement alarmant, si ce n'est que le couteau qui est attaché à sa jambe, mais ça allait avec l'uniforme militaire. Moi, je suis retournée à la salle des nouvelles, j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai écouté le ruban. Le gouvernement qui présentement est en cours va être détruit. Compris René Lévesque. Ce que je fais, ce n'est pas pour moi, mais pour le monde à venir qui parle la langue française. Je me suis aperçu que les personnes d'autres langues nous trouvaient stupides. J'ai un respect pour ma langue. Moi, je ne suis pas un politicien. J'écoute, je regarde, j'entends, je lis. Ça va peut-être faire du mal à bien du monde. Mais ça, c'est ce que vous voulez. Quelque chose de bon, il faut détruire. Parce que le parti présentement qui est au pouvoir vous tue. M'a tué. Il vous tuera. Il nous enferme dans le Québec. C'est pire qu'un parti communiste. L'idée de M. Lévesque, comme on dit, était d'avoir un Québec libre. Avant qu'il soit trop tard, je vais vous arranger ça. Mais j'attendais. J'attendais d'avoir l'occasion propice. Et je l'ai présentement. Je sais que ce matin, entre 10h et 11h, le parti n'existera plus. Je vais tout tuer ce qui est sur mon chemin. Et les Québécois sont un peuple très pacifique, si vous voulez. Pacifique dans le sens qu'ils n'aiment pas la violence. Maintenant, est-ce que vous appelez ça lâche ou non? Je ne partage pas ton opinion. Le taux de homicide est aussi élevé ici qu'ailleurs. Oui, OK. Ça, c'est vrai. Bon. Oui, tu as raison. Vous ne voyez pas l'indépendance du Québec comme, par exemple, ce que les Arméniens rêvent pour eux-mêmes, c'est-à-dire quelque chose d'un peu utopique? Non. Non, parce que c'est toujours ça qui nous a freinés, puis c'est toujours ça qui nous a fait détenir. Puis on revient là-dessus, on reparle encore avec Bourassa plus que jamais de la question indépendantiste. Ça revient tout le temps, puis c'est un débat de toutes les élections, puis ça revient toujours. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas réglé, c'est quelque chose qui dérange encore. Mais si, il s'agit, c'est un processus historique, c'est pour ça, je vais répéter encore, il ne s'agit pas d'un lutte politique partisan, disons, mettre au pouvoir tel ou tel parti ou faire triompher telle ou telle idée progressiste ou réactionnaire, je ne sais pas quoi. Non, il s'agit d'un cheminement historique. Oui. Puis c'est dedans que nous, on se place. Bon, puis l'erreur que j'ai faite dans le passé, on a commencé les FLQ, c'était, on a embarqué dans le marathon avec la vitesse de 1000, du sprint. On s'est brûlé très vite. Alors aujourd'hui, je vois la lutte, l'indépendance du Québec, c'est le combat de ma vie. Alors je lâche le pot. Les fleurons glorieux de l'histoire, c'est le grand livre de la violence politique qui s'étudie à l'école. Acadien, on me raconte la déportation. Irlandais, l'occupation. Palestinien, le vol du territoire. Mais je pourrais être sikh, cubain, ukrainien. On n'oublie pas les blessures du passé parce que l'on change de continent. Les Arméniens, à cet égard, sont exemplaires. Dans cette école montréalaise, une quatrième génération d'Arméniens apprend l'histoire horrible des massacres de 1915 qui ont dispersé des milliers d'enfants, de femmes et d'hommes dans le monde. Les Turcs leur ont volé leurs terres, brûlé leurs maisons. Ces Arméniens ne veulent pas l'oublier.
der waren te kean. Aha vor pam ein der gadar vi muti mech. Tzo hayin aistran ich pes gna batmvil. Ask ma am porch. Khoretsek. Yerek gabrel kokorel. Mit gnuisin gpanar yev dagav sirtnal huisin. Gpartsanar jahijen ur khrazer adenok. Tever narten gthotver. Ing zik narten yeterin amberu mech gkarzer. Եվ ահա ճիշտ այդ պահուն, ոսող աստված մը անշուշտ, որ թարանած գտի դեր, ոտ կի հանեց փովանթակ հրեշությունը իքուն, մեծ օծերու, վակրերու, շակալներու թեմքերով, պատտվեցավ ոտ կերուն խազածեց կուրցն ու հասավ, անոր վզին, աչկերուն, և իր ժանիքը մխեց ճիշտ ուղեղի մեջ անոր, զոր արունին հետ ահա, Անգլիզե հեշտակին ու գծծե սկլխած։ Ահա որ համը այնդեղ գկադարվի մութի մեջ, գսպաննեն ասկմը այնդեղ, որ գյանք ուներ ու շնոր, ուներ հանջարն աբրելու, նորոքելու ալինք զինք, կեղեցկացած էր դագավ ու թարմացած։ Ահ, որքան։ Եվ այդ ասկմերինն էր, և գսպաննեն զայն հիմա, զայն գսպաննեն, օգնություն, օգնություն, օգնություն. Il n'y a jamais eu de génocide. On n'a jamais pu le prouver. Le document fourni par les Arméniens pour prouver qu'il y a eu génocide, on a pu établir objectivement que c'était un faux. Qu'est-ce qu'il y a eu en 1916 dans ces régions? Les Arméniens ont commencé le premier à attaquer non seulement les arrières de l'armée ottomane, mais aussi les villages et les villes turques. Alors, il y a eu des affrontements entre les populations arméniennes et turques. On déplore des victimes, nous continuerons de les déplorer. Mais il y a eu des victimes non seulement du côté arménien, mais autant de victimes au moins du côté turc. Les Turcs sont arrivés dans cette région en 1071. Depuis cette date, jusqu'à la fin du 19e siècle, il n'y a pas eu aucun incident entre les Arméniens et les Turcs. Leur religion était respectée. Ils pouvaient devenir préfets, ministres, ambassadeurs. Ils s'étaient enrichis sous la protection du gouvernement impérial dans les activités commerciales et artisanales. Alors pourquoi ces affrontements ? Parce que, justement, des bandes arméniennes se sont rebellées à l'instigation de la Russie tchariste et de la Grande-Bretagne qui voulaient la destruction de l'Empire ottoman. L'ambassadeur Kirka croyait, avec son discours, avoir raison contre les Arméniens qui se souviennent encore de leurs parents assassinés. L'ambassadeur Kirka était blessé lors d'une prise d'otage. Un gardien fut tué. Trois terroristes canadiens d'origine arménienne sont aujourd'hui en prison pour avoir voulu rappeler le génocide. La différence
puisqu'on parle du terrorisme, entre la lutte armée, en différence entre un mouvement de libération et puis le terrorisme, c'est que le terrorisme est aveugle, il frappe tout le monde, et c'est la haine, c'est le déchaînement, c'est le désespoir, tandis qu'un mouvement de libération, on veut gagner la sympathie de la population, parce qu'on est petit, on est peu nombreux, on ne peut pas compter qu'on va le défaire tout le système. On fait pour le peuple, on a besoin du peuple. Alors on ne peut pas faire des choses qui vont à l'encontre, comme des affaires qui font les Arabes, les Palestiniens, des choses, bon, des bombes n'importe où, mais ça ne se passera pas ici. 10h55, un ancien militaire, aujourd'hui sergent d'armes à l'Assemblée nationale, a réussi à calmer le caporal Lortie. Pendant qu'ils discutent, les ambulanciers évacuent les victimes. La seule erreur des blessés et des morts est de s'être trouvés sur le chemin du terrorisme. Personnellement, je n'ai aucune envie de devenir une victime innocente. Et pourtant, affirment les terroristes, il n'y a pas de victime innocente. Nous sommes tous complices du système, disent-ils. Il n'y a pas d'attaque aveugle. Les terroristes sont des maîtres de l'abstraction. Je dirais qu'au fond de chacun d'entre nous, il y a toujours un peu de violence. Et puis, il s'agit de savoir comment on la canalise, comment on l'exprime. Il y en a qui l'expriment dans leur rapport interpersonnel. Il y a des hommes qui battent leurs femmes, c'est une forme de violence. Il y en a qui l'expriment par leur discours, en voulant se faire entendre du genre humain, là. Et puis, il y en a qui l'expriment plus par des coups d'éclat, des actions. Mais on est tous violents, je pense, au départ. Monsieur Piperneau, vous avez dans les mains un souvenir de prison? C'est comme ça que vous commencez, vraiment. Oui, cette pipe était avec moi à la santé et dans les quartiers d'haute sécurité à Rebib et aussi à Partenay. Et si vous aviez à aller vivre dans une ville aujourd'hui, quelle est la ville de vos rêves aujourd'hui? Ah, de mes rêves. Écoutez, j'ai déjà à l'intérieur de moi plusieurs villes, entre autres Montréal. Bien sûr que je voudrais aller à Rome, au moins pour quelques temps, puis je voudrais revoir Rome. Ça veut dire le fait que si je rentre en Italie, je vais faire de façon automatique des années de prison avant de mon procès. Probablement même après, mais sûrement avant. De quoi vous accuse-t-on? Écoutez, je ne peux pas savoir exactement aujourd'hui de quoi m'accuse, parce que ça change continuellement. La dernière fois, il m'accusait de 5 homicides, entre autres l'homicide de M. Moreau. Mais l'avant-dernière fois, c'était 22 homicides, et l'autre fois encore, c'était 47. Vous voyez alors ça? C'est... Sûrement, je suis accusé de crimes très graves comme meurtre, mais aussi vol des banques, et aussi insurrection contre l'État italien, insurrection armée contre l'État italien. Vous savez, il n'y a pas un seul historien dans le monde qui connaît cette insurrection qui est arrivée en Italie, mais je suis accusé d'avoir fait une insurrection armée avec des autres en Italie. Et je suis aussi accusé d'avoir souvent gêné la circulation. Ça, c'est textuel. Hein? Entre les accusations, il y a aussi une accusation comme ça. Et d'ailleurs, quand tout ça s'était commencé, un journaliste humoriste italien avait écrit que les juges avaient trouvé les crimes à travers la tombola. Vous connaissez la tombola? Il avait pris des numéros à hasard du code pénal. Et qu'est-ce que vous leur répondez quand ils vous accusent de tout cela? Il faut dire qu'ils ne m'ont jamais donné l'occasion de leur répondre, parce que même quand j'étais en Italie, j'étais interrogé. Pendant 8 mois de prison, j'étais interrogé une seule fois par les juges, et les juges m'ont parlé de mes idées politiques. Jamais ils m'ont posé une question sur les meurtres, les vols, l'insurrection, ou bien... l'obstruction de la circulation. A toujours parlé de Marx, de Lénine, de la démocratie italienne, du mouvement ouvrier italien, d'Andreotti, mais jamais a parlé de délits concrets.
D'ailleurs, je dois ajouter que lui a la possibilité de faire ça parce que selon la législation italienne, vous pouvez être accusé de concours moral. Alors, je ne suis pas accusé vraiment d'avoir tué ces personnes, mais je suis accusé d'avoir influencé des autres personnes qui, après, ont tué ces personnes, mais pas de l'avoir influencé au sens d'avoir fait avec eux une réunion dans laquelle on a décidé. Non, de l'avoir influencé parce que j'ai écrit des choses qui des autres personnes pouvaient interpréter comme une incitation à l'insurrection armée, au terrorisme, au vol des banques et éventuellement à l'obstruction de la circulation. Est-ce que les intellectuels qui publiaient des articles et qui faisaient des discours à cette époque-là avaient un rôle pour vous, avaient une fonction? Certains. Ben, il y avait ben, le mieux connu, c'était que Pierre Vallière. Et surtout Charles Gagnon, que Charles Gagnon, c'est vraiment un gars, on l'a vu, c'est un gars fantastique, et c'est un chose. Lui, c'est un sociologue, et puis il pouvait exprimer. C'était important, communiquer, c'était des communicateurs, pour donner un sens, vraiment, à la lutte. Un sens, disons, que les autres le comprennent. Parce que c'est bien facile d'aller commencer à faire des actions à droite, à gauche, si les gens disent, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi on n'avance pas? Le fait que je vienne d'un milieu ouvrier, je pense que ça a influencé beaucoup le fait que je sois devenu un intellectuel engagé. Alors, je ne suis pas sûr d'ailleurs si je suis un intellectuel, mais je vais dire, j'étais aussi un militant politique et je suis orgueilleux que j'étais avec des ouvriers, j'avais des amis ouvriers pour beaucoup de temps, et j'ai encore, j'espère, mes amis ouvriers en Italie, même si souvent, maintenant, ils sont mis au pied du mur. Et vous, vous étiez le militaire révolté? Ben, j'étais révolté au début, mais j'étais révolté, mais ensuite, je n'étais déjà plus révolté parce que j'ai passé l'étape à révolutionnaire, parce que le révolutionnaire révolté, c'est la différence que le révolutionnaire, lui, il sait qu'est-ce qu'il n'en veut pas, mais il sait aussi qu'est-ce qu'il veut. En se radicalisant, on se dit que pour être un vrai radical, il faut être un vrai révolutionnaire. Et à l'époque, dans les années 60, être révolutionnaire, c'était être partisan de la lutte armée. C'était général, ça, pour toute ma génération. Il n'y avait pas de gauche en dehors de la lutte armée. Toute gauche qui n'était pas acquise à la lutte armée passait pour social-démocrate, genre néo-parti démocratique. Et impuissante. Alors, il n'y avait qu'une révolution possible, et elle était de cet ordre-là. Les maîtres à penser étaient Guevara, Frantz Fanon, il y avait l'exemple de la lutte de libération en Algérie, la révolution cubaine. Alors, le mouvement général, à la fois dans le tiers-monde et en Occident, allait vers la lutte armée comme moyen privilégié de changement social. h 30, le ministre de la Justice est sur les lieux. On attend les déclarations d'un porte-parole de la Sûreté du Québec. Le jeu est lancé. Les terroristes préfèrent souvent les prises d'otages aux attentats parce que cela convient aux médias. La télévision, par exemple, quand il y a prise d'otages, a le temps de s'installer. Les négociations font alors partie du suspense. Les bulletins d'information deviennent palpitants. Le terroriste peut mieux terroriser. Je vais tout te dire ça. Quand je vais avoir rencontré le capitaine Larose, qu'on a eu le temps de se parler actuellement, là, c'est pas disponible pour toutes ces informations-là. Ça veut dire que je reviens avec d'autres informations. Beaucoup d'ex-membres du FLQ se retrouvent aujourd'hui dans les communications, journalistes, recherchistes, éditeurs. Avez-vous une explication à ça? Ben, moi aussi, j'ai écrit. Je sais. Ben, c'est la communication, parce qu'on a quelque chose à dire, je pense. C'est transmettre des idées. Et qu'est-ce que vous pensez des journalistes qui, eux, regardent agir les hommes d'action? Ben, il y a quoi? Il y a des choses... J'ai beaucoup de sympathie envers les journalistes, et puis on était toujours très, très bien traités par les autres. Oui, ça, c'est vrai. Et il y a quoi qui... Je ne sais pas. La même famille? Je crois que oui. Ben, eux, ils ont besoin de la nouvelle, c'est nous autres qui avons fait les nouvelles. Vous êtes les producteurs. Eux sont les intermédiaires. Actuellement, nos négociateurs de la Sûreté du Québec négocient avec lui.
Au moment où l'on se parle, on est encore en négociation. Il n'a pas fait part d'aucune demande. On peut confirmer maintenant de façon officielle qu'on aurait une douzaine de blessés et deux morts. Vous avez dit... c'est Denis Lortie. On vous avait dit peut-être trois morts. On n'a pas son identité pour l'instant. On vous avait dit peut-être trois morts, mais c'est deux morts. On est en mesure de dire qu'il y a eu des coups de feu tirés à la citadelle, okay. Qui a pris, je ne sais pas le nombre de coups de feu, mais qui a à l'aide d'une arme automatique, possiblement, puis qui n'aurait pas de blessés. Combien de coups de feu a été tiré à l'intérieur du Parlement? Ça non plus, je ne peux pas vous le confirmer. Nos... 32 est un suspect. Je ne sais pas, M. Tisley. Actuellement, nos techniciens en identité judiciaire sont à faire la partie de la scène de crime qui est faisable, vous comprendrez, puis sont à essayer de déterminer le nombre de projectiles qui ont été tirés. Il faut quand même nous donner le temps de faire notre enquête. Okay. L'individu, est-ce qu'il est maîtrisé? Actuellement, on est toujours en négociation avec l'individu. Est-ce qu'il est maîtrisé? Est-ce qu'il est isolé dans une pièce? Actuellement, on est en négociation avec l'individu. Négocier quoi? On discute avec lui. Est-ce qu'il est en position de force? Est-ce qu'il est maîtrisé? Quand quelqu'un qui est armé, qui a une... Il est toujours armé. Qui a un otage, n'est pas nécessairement en position de force, mais il est en position de discuter avec nous. Quelles sont ses revendications? Pardon? Alors, il y a eu les premiers coups de feu. On pensait que c'était une plante de plywood qui tombait à terre. Là, M. Bédard s'est levé. Il a dit, bien, écoutez, il y a du monde qui tire dans le Parlement. On est allé chercher le premier qui s'est fait blesser. C'est ce qu'il y a eu. C'est pas drôle. C'est pas une bonne image pour le Québec. Pour provoquer un changement de société, il fallait aller beaucoup plus loin que ça et faire sauter en l'air, je dirais, nos habitudes, nos comportements conformistes là, d'avant. On peut pas dire que quand on s'engage dans l'action révolutionnaire, on sait exactement où ça nous mène. Mais on sait que c'est la seule façon de rompre avec un comportement qui, lui, ne change rien en partant. Quand on est inquiet et qu'on a le sens d'une mission, est-ce que ça mène jusqu'à la clandestinité? Je pense que ça peut mener jusqu'à la clandestinité. Je pense que, de quelque façon, pour paradoxal que ça apparaisse, la clandestinité, c'est une forme sacerdotale. La vraie dimension de l'Église était toujours la clandestinité, de la vraie Église, de l'origine de l'Église. J'aurais beaucoup aimé que des liens se développent entre les différents groupes de libération dans le monde, parce que le but visé, c'était de changer non pas la situation d'une société nationale donnée, mais la situation du monde lui-même. À la fin des années 60, le terrorisme s'est internationalisé, surtout grâce à des camps d'entraînement où se nouaient de nouvelles solidarités. Les Québécois n'ont pas échappé au scénario. Il faisait très, très chaud, il y avait beaucoup de poussière. Et quand nous sommes arrivés là, au petit matin, déjà, je voyais des types qui couraient. On avait une sorte de vue générale du camp en approchant, puis on voyait cette espèce de fourmis qui, comme dans un tas de sable. Et évidemment, c'était des fourmis très bruyantes, parce qu'ils se lançaient des grenades. Ils se parlaient entre eux. Nous, on a compris tout de suite que c'était très international. Il y avait ce qui nous semblait être du japonais, il y avait des gens qui parlaient, nous a-t-on dit, en turc. Il y avait des anglais, il y avait des gens qui parlaient français. Et il y avait, bien entendu, surtout des arabes. En arrivant sur place, nous constatons donc qu'il y a plusieurs langues qui sont parlées. Mais tout le temps que nous tournions, il y avait deux types qui portaient le kéfier. Vraiment, alors on leur voyait tout juste les yeux. Et qui vraiment collaient à nous. Et là, ça m'intriguait beaucoup. Je me suis dit, bon, ces gens-là, très certainement, comprennent très bien le français. J'ai profité d'un moment où ils étaient un petit peu plus loin de notre caméra et de moi-même. Et j'ai posé la question à notre guide. J'ai dit, est-ce qu'il y a des gens d'Amérique du Nord ici? Et le gars me dit oui. Il dit, and there are some even from Quebec. Là, j'ai eu un coup. J'ai dit, c'est pas possible. Et là, j'ai attendu un peu. Et un peu comme finalement un pêcheur cherche à attraper un saumon. À un moment donné, je voulais pas que les gens nous échappent. Je voulais absolument les interviewer. À un moment donné, il y en a un qui était à côté de moi, je me suis dit, t'es Québécois, toi. Et je pense que le gars devait être absolument désemparé, que je pose la question. Il n'avait pas parlé encore, il m'a dit oui. Et c'est comme ça que j'ai pu l'interviewer, lui et son camarade. C'est évidemment des étrangers qui étaient là-bas, eux, se préparaient à livrer leur combat individuel. En ce qui concerne les Québécois, ce qu'ils m'ont dit dans l'interview, c'est qu'ils voulaient apprendre à éventuellement pratiquer l'assassinat sélectif. Je les croyais plus ou moins,
parce qu'il y a dans le verbe des gens qui œuvrent dans ce secteur-là, il y a beaucoup souvent de... Rhétorique. Oui, bravade de rhétorique. Mais en rentrant, avant même de présenter les interviews filmées, j'avais écrit des articles dans ce qui était Perspective à l'époque, où j'ai raconté que Selim et Salem, leur nom, annonçait qu'ils voulaient pratiquer l'assassinat sélectif. Et ça a frappé un certain nombre de personnes. Je vais vous raconter une histoire. Au mois de septembre, je crois, vers la fin de septembre 1970, on me demande d'aller couvrir, comment dire, notre métier, un congrès libéral qui se tenait à Montréal. J'y suis allé et là, il y avait plein de gens. Et à un moment donné, je sens que quelqu'un me touche l'épaule. Et j'entends une voix qui me dit, « Dites donc, Nadeau, vous nous en faites de ces peurs, vous, avec vos reportages dans les camps d'entraînement de Fedaïn, d'assassinat sélectif. » Et là, je me suis retourné. Et la personne qui m'avait touché l'épaule et qui m'avait dit ça, c'était Pierre Laporte. Pierre Laporte, ministre du Travail, sera kidnappé en octobre 1970. There is limits for tolerance when excessive tolerance is endangering is creating a serious danger for our democratic system. No, I still go back to the choice that you have to make in the kind of society that you live in. Well, there's a lot of bleeding hearts around who just don't like to see people with helmets and guns. All I can say is go on and bleed, but it's more important to keep law and order in this society than to be worried about weak-kneed people who don't like the looks of a At any cost? At any cost? How far would you go with that? How far would you extend that? Well, just watch me. Il était très facile de terroriser les Québécois. C'est ce que fit l'État fédéral sous prétexte d'une insurrection appréhendée. L'armée canadienne envahit le Québec. La loi des mesures de guerre suspendit les libertés civiles. Plus de 500 personnes innocentes furent incarcérées. Écoutez, devant les citoyens, il n'y en a que des vaincus ou des vainqueurs. Des vainqueurs ou des vaincus. Quand vous êtes un vaincu, vous êtes un terroriste. Quand vous êtes un vainqueur, vous êtes un patriote. Mais je pense qu'aujourd'hui, le terrorisme est utilisé et manipulé beaucoup par les grandes puissances, autant les États-Unis que l'Union soviétique, pour régler des problèmes entre elles. Les Américains l'ont fait depuis, pas seulement maintenant, mais on voit, depuis 100 ans environ. La politique étrangère, c'était le terrorisme. Quand il réussit pas à acheter un chef d'État, il essaie de l'assassiner. Alors, c'est pas du terrorisme, ça. Et moi, je pense que c'est très... c'est des subtilités, ça. C'est un autre jeu. Actuellement, toute la planète est à la fois analysée puis influencée par une rivalité entre les grandes puissances. Une rivalité d'ordre économique, d'ordre idéologique, d'ordre politique. Et tout peut servir au dessein de l'une ou de l'autre, de grande puissance. Et c'est très difficile d'éviter la manipulation, surtout quand on, comme dans le terrorisme d'aujourd'hui, on fait appel à d'aussi grands moyens là, pour agir. Dans notre temps, on n'utilisait pas des missiles, puis des bombes téléguidées à distance, puis tout ça. 14 heures. Le sergent d'armes, René Jalbert, a convaincu l'ortie de se rendre. L'un des rares aspects positifs du terrorisme, c'est de révéler des héros. Jalbert, en quelques heures, est devenu un sauveur. D'ailleurs, l'État lui décernera, comme à la guerre, une décoration pour son courage. Vous pouvez valoriser le fait qu'il y a des gens armés à la porte de l'Assemblée nationale? Je pense pas. Ça fait partie des risques inhérents. Ça m'a secoué. Ma seule réaction est une réaction de compassion pour les familles des morts et pour les souffrances des blessés par balles. Pour le reste, c'est purement spéculatif. Je ne suis pas un expert des questions de sécurité. Ma réaction est plus humaine que technique. Oui, mais est-ce que vous sentez que vous, finalement, vous n'êtes pas en sécurité? Vous étiez visé par cet attentat-là, comme gouvernement. Qui est en sécurité dans l'univers contemporain?
à l'est comme à l'ouest. Do you think that the MNAs are protected as well as they should be at the moment? I think a real protection is a view of the mind. It's not possible. Practically speaking, the most important head of states in the world have been the victims of attempts. The Pope, many presidents of the United States, Colonel Gaddafi, and so on. So I think the old matter is almost theoretical. So you think that the Egon and Spat, Monsieur Landry, they have been, they have been shot. They, yes, but they have been, they have been shot. As you can see, these targets are instinctive ones that that pop up. These particular targets come from the United States, from St. Paul. Actually, I got in the executive protection business about four years ago. I got involved with training bodyguards for the Pope's visit here in Halifax. And ever since then, it's been just one contract after another. I've been doing a lot of work down the stateside with police departments down there. And I also just recently trained the NATO bodyguards here, executive protection, for the RCMP in the NATO visit. Who comes to these courses? What type of people, what type of person? Well, mostly executives, like I've got corporate lawyers here. I've got brokers. You know, people that do extremely big business. I've got police personnel here, security personnel. Is there a difference between a terrorist camp and a camp like this one? What difference would there be? Well, I would imagine the terminology would be a lot different, and the psychology of training the people would be a lot different. Terrorists, again, concentrated on killing anybody. And again, some of them are suicidal, so there's really no target area. Civilians, more civilians, or jet planes, or whatever, the better it is. Whereas our type of program is geared specifically for your own personal survival in a situation. Perfect. Does the fact that you are Indian brings you people in, or does it play a role in your relation with the people that come into this? No, I think to one extent, the fact that I'm Indian and the fact that I was brought up in probably more harsh conditions than the average person makes me a much better instructor in relation to reality and teaching this stuff and how to deal with this stuff. But I like it because it gives me a certain identity. But I don't think that it makes my program any more successful. That particular thing, no. I think the idea of word of mouth. And there's the man that we'll use here. Isn't that like looking in a mirror? So, you know, I wonder why you take this kind of course, you know. Well, as I was saying before... Except the relaxation or... Yeah, recreation and a nice change from doing what I do in my normal lifestyle. Mm. Very pleasant change. And relaxing. And therapeutic and all those things. Mm. The same reason some people go to the beach, most likely. You should try it. Okay. Okay? That's it? Thank you. Okay. May I ask you gentlemen why you're doing a film on terrorism? You mean an interview? Oh, maybe you should... Well, ask him why he's doing a film on terrorism. You should ask Mr. Moggy. Yeah, どっかニュースで使うわけね。いや、簡単にだけどね。やっぱり新しい超大国というか、カナダとか、まあ、アメリカとか、その他、やっぱ大国に対する新しい戦争の形態だと思う。It's kind of you know, the living in Japan, it's terrorism is still you know far away, you know. So we just wanted to find out if there is something like you know the
something with terrorists. Yeah. From here, we tend to believe that there is more terrorism in Japan. ただ日本でいろいろテロの事件なんかよくニュースで聞いてね、すごい日本の中のが持ったね、そういう意味じゃそのテロっていうのがあるんじゃないかって、爆弾仕掛けたりとかそういうことを言ってるのかしらね、そんな意味のことをね、カナダにも持ったね、そういう意味じゃ我々はよく聞くというようなことを言ってるんですけどね。 今の日本であまり市民っていうのがターゲットにならないから、いわゆる市民への恐怖というのは我々はまだ感じてない。But it's still we haven't felt threat to ordinary people in Japan. They are more aiming at another organization, not ordinary people. Not the innocent victim thing. No. Uh-huh. Yeah, that's that. Yeah. Were you shooting? Are you shooting for commercial television now? Yes, we are from a commercial network, Japanese. What's the name of the network? Yeah, TV Asahi. TV Asahi. One of a major network in Japan. How many people will see this film that you're making now? これは何ぐらいの人が見ますかね? Yeah, 20 million people. Only 20 million people. 20 million people, yeah, in Japan. Yeah, only. よし、参りましょう。行きましょう。もう一人じゃ。あ、そうか。もう一人の人は。向こうではだね。回すこともいい。はい、どうもありがとう。 Écoutez, ça c'est l'éternelle question qu'on se pose dans tous les parlements démocratiques. Je pense qu'elle ne sera jamais résolue de façon absolument complète. D'un côté, on ne peut pas avoir un parlement qui ressemble à un bunker du temps de guerre. D'un autre côté, on ne peut pas non plus avoir un parlement qui se sente lui-même menacé. C'est pas parce que la vie des parlementaires a plus de prix, elle a le même prix exactement que celle des autres citoyens. Sauf que l'institution elle-même, dans une démocratie qui a une tête sur les épaules, l'institution doit avoir une forme de protection suffisante, en tout cas pour pouvoir remplir son rôle sans panique. Alors c'est toujours le point d'équilibre qui est dur à trouver. Puis c'est sûr que la question va se reposer ces jours prochains. Oui, pour pas que ça se reproduise, il y a quand même eu des morts, des blessés. On sait que ça peut se produire. J'étais en Angleterre ces jours derniers. Et il y a eu un mort aussi dans les rues de Londres. Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour empêcher ça? L'histoire libyenne. Deux jours après, on venait de passer par l'aéroport, une bombe faisait quatre morts aveuglément. C'est le problème fondamental, il n'y a pas de recette magique, c'est que il y a des gens, on dirait, qui créent un climat de violence, puis des sociétés qui laissent entretenir un climat de violence, et la nôtre aussi, ça part de cette maladie-là. Cette maladie-là, ce climat de violence qui fait nos délices à la télévision, nourrit les scénarios de l'école antiterroriste. Bientôt, on ne saura plus ce qui est fiction et ce qui est réalité. Notre ami japonais était ravi. Parti au bout du monde chercher sa ration d'exotisme, il l'avait trouvée au Canada. Nos journalistes vont chercher leur exotisme dans les pays arabes ou en Europe. Les terroristes, ce sont toujours les autres, même quand ils s'entretuent dans nos rues, pour des idées, par émotion, par intérêt, pour dénoncer le capitalisme ou venger l'histoire. Le terrorisme a plusieurs visages. Qui peut en mesurer l'efficacité profonde? Le caporal Lortie, qui voulait détruire le Parti québécois, a-t-il atteint ses objectifs? Qui peut affirmer que les maladies et les démissions des ministres péquistes dans les mois qui suivirent n'avaient rien à voir avec le terrorisme? Pendant que Lortie attaquait le Parlement, près de 1000 personnes téléphonaient à une station de radio d'expression anglaise à Montréal
pour dire leur appui au motif du caporal. Il n'était plus seul. Vous avez été condamné à mort un 21 mai, qui était le jour de votre anniversaire de naissance. Exactement. Qui est aujourd'hui d'ailleurs un 21 mai. Cette condamnation à mort, vous l'avez reçue comme une condamnation à mort pour crime civil ou pour crime politique? Ben, c'était, dans la loi, c'était crime civil, mais c'était pour des raisons politiques. Pour la raison politique aussi personnelle, parce que moi, je me suis tenu debout, parce qu'on est tenu debout. C'est ça, ça, c'est la raison. D'ailleurs, on aurait pu éviter la condamnation. Ils nous ont proposé, avant de plaider coupable, une charge réduite, mais moi, je dis non. Je m'ai battu jusqu'au bout. Et puis, l'exemple que j'ai montré, puis ça, il fallait condamner ça. Donc, c'était la geste. C'est ça, parce que ça se regardait mal. Il va encourager les jeunes. Mauvais modèle. Ah oui, très mauvais. La police a découvert et saisi une grande quantité d'armes de différents calibres, plusieurs boîtes de munitions, ainsi que différents objets offensifs dans la demeure de cinq jeunes anarchistes. Il ne faut pas aller jusque-là, mais je pense qu'un jeune, aujourd'hui, n'a aucune raison de ne pas haïr une société qui tolère la terreur comme chantage quotidien. Puis c'est la terreur nucléaire, c'est un chantage quotidien qui est exercé sur la société par les adultes qui contrôlent ce chantage-là. Et pour un jeune, ça ne fait pas nécessairement la différence entre tous les adultes et ceux qui maîtrisent le Pentagone, puis le Kremlin. Alors, c'est tout le monde adulte pour lui qui est coupable, qui est responsable de ça. Puis c'est vrai aussi que tout le monde adulte est responsable de l'équilibre de la terreur. Puis grandir dans l'équilibre de la terreur, c'est pas drôle. Et moi, je comprends que... Si vous aviez 20 ans aujourd'hui, vous seriez à nouveau un terroriste, mais pas pour un front de libération nationale, mais pour un front de libération de la planète. Oui, oui, oui. Un terroriste, peut-être pas un terroriste, mais quelqu'un d'assez en colère, oui. Puis pour un front de libération, justement, de la planète. Je pense que les écologistes d'aujourd'hui, d'ailleurs, sont des gens en colère, qui utilisent des moyens pacifiques, parce que les autres ne donnent rien, sont disproportionnés face au danger de l'arme atomique, puis face aussi aux conséquences de la pollution. Mais c'est des gens en colère. Et c'est parmi ces jeunes gens en colère que la police chercha d'abord les cinq terroristes de Vancouver. Ils sont accusés d'avoir lancé des bombes incendiaires contre trois clubs de vidéos porno, d'avoir fait sauter une sous-station électrique de l'Hydro de Colombie-Britannique, causant plus d'un million et demi de dollars de dégâts. La police veut aussi les inculper d'avoir placé une bombe aux usines Letton à Toronto, qui a blessé 7 personnes en explosant prématurément. Ils sont accusés du vol de 38 caisses de dynamite. Ils sont accusés de conspiration en vue de saboter des avions, des radars et des réservoirs de carburant à la base militaire de Cold Lake, Alberta. Ils sont accusés d'avoir voulu endommager le brise-glace Terry Fox sur un chantier naval, d'avoir conspiré en vue de commettre le vol d'un camion blindé. En fait, la police croit que les cinq jeunes gens préparaient ce coup lorsqu'elle les a arrêtés sur la route de Squamish, où ils se rendaient pour s'entraîner dans un champ de tir secret. Juste parler des cinq est un sujet extrêmement difficile. La seule mention des cinq, pour quiconque a un peu suivi ça, tout ça crée un malaise qui fait que ça a été même difficile d'avoir des gens pour venir parler du sujet ici même.
Le contact que j'ai eu avec les cinq est un contact plus au niveau de lecture dans des revues de gauche, dans des revues de gauche Canada-Anglais. Après, c'est important à spécifier, effectivement, comme Luc le faisait, que la gauche du Québec, elle, n'en a pas parlé. Ce type d'action-là, surprenant, parce qu'on n'avait pas vu ça au Canada depuis les actions du FLQ, ce qui remonte drôlement loin. Donc, en tant que militaire, je me suis senti interpellé par ça. Je me suis dit, il y a des gens qui posent ce type d'actes-là. Et en plus, non seulement il posait ces actes-là, mais il le faisait avec un discours différent de celui qu'on est habitué d'entendre, un discours qui sortait des stéréotypes, un discours qui rejoignait des préoccupations de gens qui luttent contre la guerre, de gens qui luttent pour un environnement qui soit plus sain, de gens qui luttent pour la lutte des femmes, de gens qui luttent pour les droits des Autochtones, parce que ça aussi, ça faisait partie de leur discours. Alors, ces gens-là font quelque chose de différent. Tu peux pas faire autrement, c'est la question que je me suis posée. Est-ce que ce qu'ils font est pertinent? Est-ce que ce qu'ils ont fait avancer plus que nous autres, que ce qu'on fait au jour le jour? Et dans un premier temps, ce que j'ai ressenti par rapport à ces gens-là, c'est une très grande sympathie par rapport à leurs actions. Et par rapport au prix qu'ils payaient aussi, parce qu'à l'époque où j'en ai plus connaissance, ça faisait déjà un an qu'ils étaient en prison. Maintenant, pour certaines personnes, comme Anne Hansen, c'est la prison en perpétuité. Pour d'autres, c'est des 20 ans de prison, c'est des 15 ans de prison. Bon, là-dessus, je ne peux pas dire que je connais en détail la réalité de Colombie-Britannique, mais je ne suis pas certain, par exemple, que ça ait eu un phénomène entraînant. Dans la mesure où, d'une part, leurs actes, si on se place, par exemple, au niveau du Canada, c'est que même les militants au Québec, par exemple, n'étaient pas au courant de ce qui s'était passé. Or, comment est-ce qu'on veut que ce soit entraînant si déjà l'information ne passe pas? Parce que bon, l'information qu'il y a eu, c'était l'information soit de petits groupes marginaux, mais sinon la grande presse dans son ensemble, si elle a relaté les événements de Vancouver, ça a été pour les présenter comme de dangereux terroristes. Comme si finalement, on choisissait la violence pour la violence. Et, je veux dire, c'est ça que recouvre le vocable de terroriste, qui est utilisé finalement par les États, par les dominants. C'est le terme de terroriste qui présente les gens comme violents pour être violents. Or, les cinq de Vancouver ont bien précisé, et ça c'est quand même important à noter, c'est qu'ils faisaient très attention à justement ce qu'il n'y ait pas de victimes innocentes. Alors ça peut toujours se produire, mais alors c'est ça aussi toute la différence. C'est pas parce que les cinq de Vancouver sont en prison que c'est fini. Les raisons qui font que ce monde-là, ils ont agi de la manière qu'ils ont agi, ces raisons-là, ils sont encore là. Puis s'il y a de quoi, ils sont encore plus là. Si on regarde juste à Montréal, la misère, la vraie misère, là, j'ai rien contre la culture, mais la misère économique, elle est là. Il y a 15 000 sans-abri à Montréal, du monde qui ont des problèmes de logement, il y en a qui payent 50, 60 de leur revenu pour payer le loyer puis qu'il leur reste rien, ou encore qu'ils peuvent pas, hein, tu sais, qu'ils donnent rien à déjeuner aux enfants avant de les envoyer à l'école, cette misère-là, elle grossit. Puis, moi, je me dis ça, c'est bien de valeur, mais la violence, elle est là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour faire avancer les affaires, comme le FLQ a pu être nécessaire dans les années 60 pour faire avancer les affaires. Est-ce que tous les quatre, vous avez l'impression, par exemple, que ce que vous écrivez dans Révolte, vous pouvez aussi le dire à la télévision d'État ou à la radio d'État? Est-ce que vous avez votre place ou est-ce que c'est bloqué là aussi? Moi, je pense que c'est évident que c'est bloqué. Je veux dire, tu passes pas juste à prendre l'exemple des cinq de Vancouver. Au Québec, ça s'est pas parlé. Ça a fait une petite nouvelle, un petit encadré à un moment donné quand il y a eu l'explosion à Lytton. Il y a eu quelques articles comme Doug Stewart s'est ramassé à Archambault puis a été obligé de faire une grève de la faim pour être rapatrié à Vancouver puis pouvoir avoir des services dans sa langue, ce qui était un droit pour lequel on s'est abattu au Québec. Les médias n'ont pas parlé de ça. Et même s'ils en parlaient à travers tout le paquet de cochonneries qui était à la journée longue, que tu passes à près d'Alaos pendant deux minutes de temps pour dire quelque chose comme ça, ça change quoi au bout de la ligne? Fait que c'est là qu'il y a d'autres choses à faire. Il faut trouver d'autres moyens que seulement avoir ton petit, au mieux, ta petite minute dans le téléjournal du soir. Il faut trouver d'autres moyens. Et c'est là qu'à un moment donné, des types d'actions comme celles que les cinq de Vancouver ont posées apparaissent dans le décor. Il y a Simone de Beauvoir, avant de mourir, dans une entrevue, elle disait « On n'est pas à l'heure des lendemains qui chantent, à l'heure du socialisme grandissant, mais il y a au moins une chose qu'on peut faire à l'heure actuelle, c'est modestement créer du désordre. » Et je pense que c'est là le rôle qu'on a en tant que militaire, de modestement créer du désordre. Tu sais, quand t'es épuisé, là, pis t'as épuisé tous les recours légaux, tu sais, les pétitions, les beaux mémoires que t'as envoyés au gouvernement, puis tu lui dis « Telle loi est pas correcte, elle laisse, par exemple, les spéculateurs laver Montréal, le centre-ville de Montréal des pauvres, puis... » C'est donc vilain, c'est donc pas correct. Quand t'es épuisé tous ces moyens-là, c'est sûr que tu peux faire appel à l'opinion publique en général. Donner des conférences de presse, minoucher les médias pour qu'ils parlent de toi, mais ça
tu peux être couvert, tu peux ne pas être couvert, mais c'est bien de valeur, mais c'est pas ça qui empêche le système de marché puis les spéculateurs de faire leurs argents puis payer la dos dans ses journaux, tu sais. Fait qu'à un moment donné, t'essayes de faire autre chose. T'essayes de faire autre chose en gang. Le plus nombreux possible, puis si t'es pas nombreux, tu le fais pareil, tu sais. Tu peux pas dire restons dans la légalité, allons pas trop loin, ça dépend. Je dis, puis moi, je me dis, plus ta cause est désespérée, puis plus tu vas prendre des moyens.